Oh, bonjour à tous, je vais continuer la lecture de la Bible Crampon de l'abbé Auguste Crampon, 1923. On va finir le livre d'Ézéchiel. Nous allons commencer maintenant le livre de Daniel, le prophète Daniel. Nous allons parler des enfants hébreux à la cour de Nabuchodonosor. Commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le livre de Daniel, chapitre 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Et il les emporta au pays de Sennaar, dans la maison de son Dieu. Et il déposa les vases dans le trésor de son Dieu. Le roi dit à Asphénèse, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les enfants d'Israël de la race royale ou de la noblesse des jeunes gens sans aucun défaut, beaux de figure, doués de toutes sortes de talents, instruits et intelligents, pleins de vigueur, pour qu'ils se tinssent dans le palais du roi et qu'on leur enseignât la littérature et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets royaux et du vin dont ils buvaient, afin que, ayant été élevés pendant 3 ans, ils se tinssent au bout de ce temps devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Misiel et Azarias. Le chef des eunuques leur donna des noms. Il appela Daniel Balthazar, Ananias Sidrac, Misaël Misac et Azarias Abdennego. Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait. Et il demanda au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel grâce et faveur auprès du chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains le roi, mon maître qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il vos visages plus défaits que ceux des jeunes gens de votre âge? Vous mettriez en danger ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit au maître d'hôtel que le chef des eunuques avait établi sur Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Fais, je te prie, un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Après cela, tu regarderas nos visages et le visage des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et selon que tu auras vu, tu agiras avec tes serviteurs. Il consentit à leur demande et il éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils se trouvèrent avoir meilleur visage et plus d'embonpoint que
tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et le maître d'hôtel emportait les mets et le vin qu'ils devaient boire. Et leur donnait des légumes. À ces jeunes gens, à tous les quatre, Dieu donna du savoir et de l'habileté dans toute la littérature et en toute sagesse. Et Dieu avait l'intelligence de toutes sortes de visions et de songes. Et Daniel avait l'intelligence de toutes sortes de visions et de songes. Au bout du temps fixé par le roi pour les amener, le chef des eunuques les amena devant Nabuchodonosor. Le roi s'entretient avec eux, et il ne se trouva personne parmi eux, tous comme Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les serviteurs, sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les lettrés et magiciens qui étaient en tout son royaume. Daniel fut ainsi jusqu'à la première année du roi de Cyrus. Chapitre 2 de Daniel. On parlera le songe de Nabuchodonosor et la statue composite. Le roi interroge ses devins. Mais il fallait l'intervention de Daniel pour donner l'explication. Donc, chapitre 2 de Daniel. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut des songes. Son esprit fut agité et le sommeil se retira de lui. Le roi fit appeler les lettrés, les magiciens, les enchanteurs et les chaldéens pour lui expliquer ses songes. Ils vinrent et ils se tinrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai fait un songe et mon esprit est agité. » Cherchant à connaître ce songe, les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en ferons connaître la signification. Le roi répondit aux Chaldéens en disant, Ces choses arrêtées par moi. Si vous ne me faites savoir le songe et sa signification, vous serez coupés en morceaux et vos maisons seront réduites en cloaques. Mais si vous me faites connaître le songe et sa signification, vous recevrez de moi des dons et des présents, et de grands honneurs. Ainsi, faites-moi connaître le songe et sa signification. » Ils répondirent pour la deuxième fois en disant, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en ferons connaître la signification. » Le roi répondit et dit, « En vérité, je sais que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que ces choses arrêtées par moi. Puisque vous ne me faites pas savoir le songe, c'est que vous n'avez qu'une pensée, celle de concerter un discours mensonger et trompeur, pour le tenir devant moi, en attendant que le temps soit changé. Ainsi, dites-moi le sort et je serai
saurez que vous pourrez m'en faire connaître la véritable signification. » Les Chaldéens répondirent devant le roi en disant: « Il n'y a pas d'homme sur terre qui puisse faire connaître ce que le roi demande. Aussi, jamais roi si grand et si puissant qu'il ait été n'a demandé pareille chose d'aucun lettré, astrologue ou chaldéen. La chose que le roi demande est difficile, et il n'y a personne qui puisse la faire connaître devant le roi, hormis les dieux dont la demeure n'est pas parmi les mortels. » Là-dessus, le roi se mit en colère et en grande fureur, et il donna l'ordre de mettre à mort tous les sages de Babylone. La sentence ayant été publiée, les sages étaient mis à mort, et on cherchait Daniel et ses compagnons pour les tuer. Alors Daniel fit une réponse prudente et sensée à Arioche, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioche, commandant du roi: pourquoi cette sentence sévère de la part du roi? Et Arioche exposa la chose à Daniel. Alors Daniel entra dans le palais et pria le roi de lui accorder un délai afin de faire connaître au roi la signification. Aussitôt Daniel alla dans sa maison et informa de l'affaire Ananias, Misaël et Azarias, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu du ciel sur ce mystère pour qu'on ne fît point périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu du ciel. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, car à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les moments et les temps, qui renverse les rois et qui élève les rois, qui donne la sagesse aux sages et le savoir aux intelligents. C'est lui qui révèle les choses profonde et cachée, qui sait ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. C'est vous, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue, de ce que vous m'avez donné la sagesse et la force, et de ce que maintenant vous m'avez fait savoir ce que nous vous avons demandé en nous faisant savoir l'affaire du roi. C'est pourquoi Daniel se rendit auprès d'Arioche, que le roi avait chargé de mettre à mort les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne faites pas périr les sages de Babylone. Introduis-moi devant le roi et je ferai connaître au roi la signification. Arioche s'empressa de faire entrer Daniel devant le roi. Il lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui fera savoir au roi la signification. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qui s'appelait Balthazar,
Es-tu capable de me faire savoir le songe que j'ai eu et sa signification? Daniel répondit en présence du roi et dit, le secret que le roi demande, ni sage, ni magicien, ni lettré, ni astrologue ne sont capables de le faire connaître au roi. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle le secret et qui a fait savoir au roi Nabucodonosor ce qui doit arriver à la fin des jours, ton songe et les visions de ton esprit que tu as eues sur ta couche. Les voici. Toi, ô roi, tes pensées s'élevaient en toi, en ton esprit, sur ta couche, au sujet de ce qui arriverait après ce temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui doit arriver. Et moi, ce n'est pas par une sagesse qui serait en moi, supérieure à celle de tous les vivants, que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin qu'on en fasse savoir la signification au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Toi, ô roi, tu regardais et voici une grande statue. Cette statue était immense et sa splendeur extraordinaire. Elle se dressait devant toi. Et son aspect était terrible. Cette statue avait la tête d'or fin, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer, les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée. Non, par une main et frappa la statue à ses pieds de fer et d'argile et les brisa. Alors furent brisés en même temps le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle qui s'élève de l'air en été, et le vent les emporta sans qu'on n'en trouve plus aucune trace. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, signification, nous allons la dire devant le roi. Toi, roi, roi des rois, à qui le Dieu du ciel a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire, entre les mains de qui il a livré, en quelque lieu qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux des cieux, et qu'il a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la terre d'or, la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que toi, puis un troisième royaume d'airain, qui dominera sur toute la terre. Un quatrième royaume sera fort comme le fer. De même que le fer écrase et brise tout, et comme le fer qui met en pièces, il écrasera et mettra en pièces tout cela. Si tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, c'est que ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui de la solidité du fer selon que tu as vu, du fer mêlé à l'argile. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'airain, ce royaume sera en partie fort et il sera en partie fragile. Si tu as vu le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils seront mêlés de semences d'hommes. Mais ils ne tiendront pas l'un à l'autre.
de même que le fer ne peut s'allier à l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la domination ne sera point abandonnée à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera à jamais. Selon que tu as vu qu'une pierre a été détachée de la montagne, non par une main, et qu'elle a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'or, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite. Le songe est véritable et sa signification certaine. Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrît des oblations et des forfaits. Le roi parla ainsi à Daniel et dit, « Vraiment, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois et le révélateur des secrets. Puisque tu as pu révéler ce secret, alors le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone et chef suprême sur tous les sages de Babylone. À la prière de Daniel, le roi commit aux affaires de la province de Babylone Sidrac, Misac et Abednego, et Daniel demeura à la cour.